Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, excuse-moi beaucoup. Je suis dans le regret, maman. Oh, je suis dans le regret, maman. Nous sommes avec le guérisseur Siaba qui nous montre sa ferme avec ses bœufs. Il est quelqu'un qui, ma foi, a déjà l'argent. Il m'a dit qu'il a l'argent. Il a les cultivateurs, il a des bœufs, il a des travailleurs. Guérisseur Siaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur journaliste, monsieur Kwanje. Vous travaillez et vous avez déjà l'argent, mais vous cherchez quoi encore avec les clients? Bon, si les gens, c'est pour les sauver, c'est ça que je dis toujours, c'est pour les sauver. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, moi, tu viens chez moi, il fait ton travail. Avant de faire ton travail, il y a des sacrifices que je fais. Il y a sacrifice de bœufs, et puis il y a sacrifice de moutons, il y a sacrifice de poulets, il y a sacrifice de pintades que je fais pour vous. Mais bœufs, moi j'ai bœufs. Bœufs là, c'est ça, on voit comme ça. Voilà mon travail qui est là. Voilà mon travail qui est là. Regardez-lui. Oui, on l'a déjà vu. Alors, donc, ça sert à quoi un sacrifice de bœuf, un sacrifice de mouton, un sacrifice de poulet, ça sert à quoi? Bon, c'est ce qu'on voit, c'est le travail bien fait. Il y a des travaux qu'on fait. Il faut partager pour donner à les gens. Change. Quelqu'un va avoir chance. Il y a des gens qui peuvent payer au moins 3 bœufs. Il peut avoir chance. Il y a des gens qui peuvent payer une seule bœuf. Ça dépend de ce qui est derrière toi. Sinon, il y a des gens qui payent une seule bœuf, ça va. Mais il y a des gens qui payent bœuf, il va payer mouton, ni poulet, ni cabri, ni mouton. Son chance là vient jamais. Mais il y a des gens qui payent seul bœuf, même poulet, même sa chance vient. Ça dépend. Voilà. D'accord. Bien, mais là maintenant vous avez envoyé de la savane. Oui, oui. Il y a des rognées, il y a des herbes. Bon, vous prenez, on est quitté dans l'eau. L'eau, j'avais tout ce qu'il y avait, cimetière avec les esprits. Des ancêtres et tout, mais là vous nous avez envoyé ici dans la savane. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la savane? Bon, je vais vous dire en personne, moi, dans mon qualité que moi je fais dans savane que je travaille, il y a des médicaments que on peut pas trouver dans forêt, c'est dans savane. Il y a des médicaments on peut pas trouver dans l'eau, c'est dans savane que je peux prendre pour faire mon travail. Donc ça dépend que pourquoi vous avez venu me trouver. Moi je travaille à savane, il y a des plantes qui sont dans savane. Bon, Dieu merci, vous avez venu me trouver que je suis là changé avec mon travail, je suis mes bœufs. Sinon, c'est dans savane que ça trouve des bons médicaments, quel que ce soit sorcier, les mauvaises personnes. Pour avoir riche, il y a des médicaments, ça est dans savane, tu vas gagner. Tu vas venir riche, tu vas, les sorciers, ils vont rien te faire. Les sorciers, ils vont rendre témoignage, dire, fais telle personne, je n'ai pas pu faire. C'est ça, ça m'est arrivé. Moi, mon travail, c'est comme ça. Bon, alors, vous parlez des richesses. On sait qu'il y a des gens qui font des pactes avec des démons. Pacte avec des démons, ça veut dire que, bon, peut-être serpent, il va vomir l'argent. Serpent, il va vomir l'argent. Ou bien tu vas tuer ton frère, ou bien ton papa, ou bien ta maman, pour gagner l'argent pour devenir riche. Est-ce que c'est ça que tu fais? Moi, les pactes, on dit, on signe là. Pour moi, là, si je veux faire quelque chose pour toi, tu ne signes pas pacte. C'est ta chance. Je fais, ça devient évolué. Que tu gagnes. Si quelqu'un dit il va t'appeler pour que tu gagnes travail, il t'appelle. Ton travail, tu peux gagner au moins 5 personnes. Travail que toi-même tu veux. Même 10 personnes. Travail que toi-même tu veux. C'est ça que tu vas avoir. Pour moi, c'est comme ça. Sinon, c'est pas comme une pâte. On va signer. Soit quelque chose va vomir. Chaque année, tu vas tuer telle personne. Chaque année, tu vas tuer telle personne. Non, pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, là, tu signes avec moi. Moi, je sais comment je fais avec toi. L'argent que tu veux, tu vas avoir. Je fais ton travail, que tu vas avoir la chance. Quand on dit chance là, je peux faire, tu vas avoir chance. Dans chance là, tu gagnes travail. Travail là, c'est travail là qui te donne l'argent. Et Bédou Magique? Moi, Bédou Magique, je ne connais pas ce qu'on dit Bédou Magique. Je n'ai jamais fait. Et puis, quand on dit le nom de Bédou Magique, moi, je suis fâché. Ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui disent non, ils veulent Bédou Magique. Il faut travailler, tu vas avoir l'argent.
Voilà, savant, tu es là. Si tu viens, il faut venir, je te donne l'espace, tu vas faire travail. Si tu ne travailles pas, tu ne veux pas avoir l'argent. Aujourd'hui, on est avec le guérisseur Siaba pour une conclusion. Conclusion, j'allais dire, pour toute cette escapade, cette aventure. Guérisseur Siaba, on est parti. Nous sommes en pirogue, hein. On peut mettre le moteur, on est parti. Guérisseur Siaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pangien Ibrahim. Ça va? Nous sommes très heureux d'avoir fait cette tournée avec vous. On est en train de rentrer maintenant. Alors, dites-nous ce que vous voulez que ceux qui nous suivent là retiennent de vous. Qui est le guérisseur Siaba et qu'est-ce qu'il peut faire pour quelqu'un, pour chacun? Ce que je dis toujours, moi, c'est guérisseur Siaba. Je veux que les gens qui veulent de moi n'ont pas venu me voir. Les gens qui veulent que de faire travail pour eux n'ont pas venu me voir. Moi, je suis là pour les arranger, pour faire leur travail pour eux. Tout ce qu'ils veulent, ils vont avoir. Que soit si tu as mari de nuit, tu as sorcellerie dans votre famille, tu ne gagnes pas enfant, tu ne gagnes pas mariage, garçon que femme. Moi, je vais t'arranger. Que soit l'argent que tu ne gagnes pas, l'argent. Après, je parle encore. On me dit, quand il fait jour, que tu te brosses là, c'est quoi tu penses? C'est manger. Manger, c'est quoi? C'est l'argent que tu prends pour payer. Il faut que tu gagnes l'argent. Tu viens chez moi, je vais trouver une solution pour toi. Guérisseur Siaba, vous êtes un guérisseur. Tous ces bidons-là, vous avez rempli de médicaments. On s'en va chez vous. Les bidons que vous avez remplis là, c'est pour faire quoi? Il y a des bidons, c'est pour que les sorcières, je te donne, tu laves. Les sorcières ne peuvent rien te faire. Les mauvaises personnes, quand on dit mauvaises personnes, il y a deux catégories. Quelqu'un peut te lancer un son qu'il ne témoigne pas. Lui-même, il va rendre témoignage. Je dis, telle personne, je veux le faire comme ça, je n'ai pas pu le faire. C'est ça, je suis là mourir. Moi, les médicaments, je te donne, c'est ça. Maintenant, il y en a. C'est dans richesse de bonheur, femme mariée, garçon marié, l'argent, c'est ça que je prends pour faire travail là, pour donner à ces personnes qui ont besoin de ça. Ben, il y a trop de bidons, c'est beaucoup. C'est tout ça, ils ont commandé ou bien c'est quoi? Tous ces bidons, caméraman, il faut que je t'écoute. Attends, ils ont tous commandé et puis c'est là vous pouvez les donner ou bien c'est quoi? Il y a des bidons, quand je viens ici là, il y a des gens, ça peut faire au moins une semaine ou bien deux semaines, mais les gens viennent beaucoup chez moi. Donc il faut que je fasse beaucoup pour aller. Je ne viens pas ici tous les jours. Je viens ici par occasion, je viens chercher mes médicaments. Donc quand je viens, je fais mes médicaments ici et puis j'envoie. Donc il faut que les médicaments et les bidons soient beaucoup. Mais chaque bidon a un rôle parce qu'il y a des gens qui ont problème de santé, il y a des problèmes de richesse, de femmes. Chaque bidon joue un rôle précis. Il faut expliquer. Il y a des bidons qui peuvent dire que ouais, quelqu'un en France comme ça, s'il a besoin pour que son travail marche, qu'il a besoin de qu'il gagne femme, qu'il a besoin pour qu'il gagne enfant, qu'il gagne l'argent. Il y a des bidons pour ça. Que les sociétés fatiguent, il y a des bidons pour ça. Maintenant, ici, en Afrique, ici, il y a certaines personnes qui font cacao, ni un veillard qui ne donne pas, ni. Igname, il y a cette bidon que je peux te donner. Comment je vais te montrer? Ça est dans ma main ici, je peux te montrer. Bon, tiens, ça là, il faut aller faire. Les bidons là, c'est l'eau, c'est liquide. Or, pour traverser l'avion, des fois c'est les poudres. Donc, ces bidons là, vous pouvez faire en poudre. C'est ça? Est-ce que les bidons là, vous arrivez à faire ça comme poudre pour que ça traverse l'avion? Il y a des poudres, quand on ne parle de poudre, il y a des poudres qu'on mélange à l'eau de médicaments, on mélange. Dès qu'on a mélangé, c'est ça qu'on prend pour faire le médicament. Voilà ça, tiens ça là, il faut aller avec ça. Sinon les poudres, c'est mélangé à les médicaments. Oui, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le guérisseur Siaba. Il a plein de bidons, nous avons observé, on ne s'y attendait pas du tout. Tout à coup, nous sommes venus, on retourne, mais le bateau est chargé de bidons. Et c'est pour cela que nous avons posé la question. Il s'agit donc de guérir de
travaillé pour beaucoup de gens, de personnes qui ont des soucis. Et nous a-t-il dit, il faut que ces bidons-là puissent travailler. Vous êtes en Occident, mais il vous donne une poudre composée de ces plantes-là et vous faites votre bidon, votre propre bidon chez vous. Merci de nous avoir suivis, directeur Siaba, nous sommes avec vous. Un mot de fin. Un mot de fin, moi je veux que ben, quand tu passes, tu n'as qu'à voir ça, appeler. Si tu es appelé, tu as tapé bon porte. Moi je suis là pour travailler pour vous. Voilà, donc c'est ça. Je suis là pour vous. Vous aussi, vous êtes là pour moi. Donc voilà, un mot de fin qui est là. Donc il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à Laoupanda. Nous sommes sur le départ pour Grand Laou et puis pour arriver à Abidjan. Voilà, merci d'être avec nous. Restez toujours connectés au pouvoir ancestral africain. Je vous remercie.